quel est le résultat? C'est l'heure de la délibération, donc nous attendons. Seulement, je sais déjà quel va être le verdict. L'acquittement. Manque de preuves, quoi? Ah oui, c'est exact. Pas l'ombre d'une preuve. Un an, ce sera l'avis du jury. Seulement, ce n'est pas le vôtre. Non, bien sûr. Il est responsable de tout. Trois assassinats. Le bonhomme a réussi à se défendre de façon astucieuse. Oh, quel dommage que je sois arrivée trop tard pour entendre ça. Mais ma fille a amené ses gosses parce qu'elle va chez le médecin. Comment a-t-il expliqué tout ce qu'il a reçu par testament de ses victimes? Comment? Oui. Parce qu'il était très gentil avec eux. C'était par reconnaissance. Pourtant, c'est lui. Oui, mais rien n'est prouvé. Alors tiens ta langue. Pour moi, il a trois personnes sur la conscience. La défense a une explication simple et logique au décès de ces personnes âgées. Trop de somnifères et trop de médicaments. Trop d'émotions fortes. Et c'est le hasard qui fait que ces trois personnes ont fait un testament en sa faveur. Ça, j'y crois pas une seconde. Voilà, tout s'est bien terminé. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'on ne peut pas me condamner. Croyez-moi, mon cher, vous avez une veine que je ne nommerai pas. Vous pensez à un acquittement? Je ne pense à rien et j'attends. Oui, mais quelles seraient alors vos réactions? Dans ma profession, je n'ai pas à en avoir. Vous savez ce qu'on pensait sur le banc de presse tout à l'heure? Non. Que c'est un meurtrier qui s'en tirera une fois de plus. Et vous le croyez aussi? Mais vous n'avez le droit de ne rien dire. Oui, c'est bien ça. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Il a raison. Oui. Alors, acquittement? Oui, absence de preuves. Il va sortir. Il l'est déjà. Et pourtant, ce monsieur est un meurtrier. Surtout, ne répète pas ça. En fait, il n'y a pas de preuve contre lui. Alors maintenant, tu me la boucles, hein? C'est un grand jour. Oui. Oh, je suis contente de te voir rentrer à la maison. Merci. Oh, merci. Merci. Bah, dis-leur quelque chose, voyons. Vous êtes très gentil. C'est long, tu sais. Et maintenant, n'y pense plus. Oui. Seulement, je crois que tout le monde va douter de moi. Non, il ne faut pas t'en faire, ça passera. Il y en a beaucoup de parties? Quatre. De nouveaux venus? Aucun. Mais ça ne veut rien dire. Il est logique que les gens attendent. Tout le monde voulait connaître l'issue du procès. Maintenant, tout va être différent. Je t'ai dit de ne plus y penser. On se fait peut-être du cinéma. Oui, bien sûr. Est-ce que nous pouvons entrer une minute? Je vous en prie, Madame Berman. Soyez le bienvenu, cher Bona. Je suis heureuse de vous voir au nom des pensionnaires de cette maison. Sachez que l'issue de cet effroyable procès n'a jamais fait le moindre doute pour aucun d'entre nous. Je vous remercie, Madame Berman. Je dirais que je m'associe aux paroles que vient de dire Madame Berman à l'instant. Vous savez que vous revoir nous rend tous très heureux. Merci à tous. Je vous remercie. Tous, de tout cœur. Et vous avez trouvé tous les mots qu'il fallait. Merci. Ah, te voilà. Bonsoir, grand-père. Je passe rapidement. Maman a essayé de te joindre toute la journée. Où étais-tu allé? Eh bien, allez, viens une minute. Il y avait encore aujourd'hui un procès intéressant.
Ils ont prononcé le verdict, je ne voulais pas le rater. Oui, mais tu sais, maman s'inquiète toujours. Et puis, elle trouve assez bizarre que tu passes tout ton temps au tribunal. Je n'y suis pas tous les jours. Ta mère se fait trop de bile. Je vais aux procès qui sont les plus intéressants. Celui qu'on plaidait aujourd'hui l'était tout particulièrement. En tout cas pour moi. As-tu déjà mangé? Pas encore. Est-ce que tu as le temps? Oui. Alors je te garde. On va sortir tous les deux. Ah oui, d'accord. J'aime bien montrer ma petite fille. Ça me rajeunit de quelques années. Excusez-moi, j'ai téléphoné que je passerais. Mon nom est Mahler. Un petit instant, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Mahler. Je m'appelle Dedrich, par ici. Veuillez entrer. J'ai déjà fait un petit tour. J'avouerai que j'ai reçu un choc. Très étonnant. Merci. Après vous. Merci. Monsieur Mahler, veuillez entrer. Oui. Vous désireriez une place dans notre maison? Oui. Pour vous-même? Oui, pour moi. Oui. Prenez place, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez une recommandation? Non. Je voudrais vous confier un petit secret. Je viens de suivre le procès, qui s'est d'ailleurs terminé d'une manière très favorable pour votre maison. Oui. J'ai fort aimé les dépositions que les pensionnaires de votre maison sont venus faire devant le tribunal. Elles étaient particulièrement élogieuses et elles représentaient un climat de gentillesse et aussi de bienveillance. Une bonté et une confiance totale régnant entre la direction et les... comment je peux dire... vos invités. Est-ce le mot qui convient? Oui, c'est le mot le meilleur. J'en étais sûr. Attendez un moment. Monsieur Mahler, voulez-vous passer à côté, je vous prie? Ah. Monsieur Mahler, qui vient s'informer s'il aurait une place vacante chez nous. Soyez le bienvenu, monsieur Mahler. Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous aviez assisté au procès d'aujourd'hui. Oui. Je vous félicite de votre acquittement. Merci. L'accusation n'avait aucun réel fondement. Elle se fourvoyait. Oui. Le jury ne pouvait faire autrement que de vous libérer. Par ici. Alors, vous êtes venu pour une place? Oui, je pense avoir une situation correcte. Je vis seul. Dans un appartement trop grand pour un homme seul et dont l'entretien dépasse à présent mes forces. Je souhaiterais une vie qui serait plus calme. Je comprends. Vous avez de la famille? Non, je n'ai personne. Pas de femme? Morte il y a 10 ans. Oh, toutes mes excuses. Des enfants? Cette joie m'a été refusée. Oui, je vois. Bien. Il faut que M. Mahler ait la possibilité de voir si nous avons un appartement qui lui irait. Oui. Madame Berman. Madame Berman, excusez-moi. Un moment. Oui. Nous vous dérangeons, Madame Berman? Non, ce n'est rien. Voici M. Mahler.
Mes hommages, madame. Bonjour. Monsieur Malheur souhaite venir chez nous. Je le fais visiter pour qu'il trouve quelque chose qui lui plaise. Oui, bien entendu. Veuillez entrer. Venez donc. Veuillez me suivre. Si bien. Entrez, monsieur. Voici mon antre. C'est ravi, ça. Ce sont vos meubles? Oui, ce sont mes meubles. Je tenais à les avoir. Et les tableaux... Il ne me reste que cela de mon ancienne richesse. Il faut toujours quelque chose qui vous relie encore avec le passé. Je vous crois. Avez-vous des meubles, monsieur? Oui. Un peu que j'aimerais beaucoup garder avec moi. Tableaux aussi et quelques bricoles. Il n'y a pas de doute, vous pourrez les garder. N'est-ce pas, monsieur Bonnard? Oh, bien entendu. Vous vous sentirez ici parfaitement à l'aise. Et vous vous sentirez chez vous. Nous sommes tous chez nous. Nul dans cette maison ne vous dira le contraire. Et quelle chambre vous pourriez lui donner, monsieur Bonnard? Peut-être l'appartement que cette pauvre Maria a occupé. Oh, il s'agit de la malheureuse qui avait un peu abusé des somnifères. Oui. Ce qui a eu les conséquences que nous savons pour notre cher Bonnard. Oui, c'est une chambre agréable, je vais vous la montrer. C'est là que vous serez le mieux si vous désirez venir vous joindre à nous. Ce que je souhaite. Oui. Monsieur Malheur, je vous en prie. Oh, excusez-moi. Je constate que l'appartement a été vidé au cours de mon absence. Naturellement, je ferai tout rénover. Ça n'a pas d'importance. Je me sens déjà chez moi. Est-ce que je peux... Oh, bien sûr, allez-y. Ce lit va naturellement être enlevé. Chaque fois qu'une mort se produit, le lit est brûlé, c'est un usage que nous avons. Excellent, excellent. On n'aime pas beaucoup la mort lorsqu'on est en vie. On pense qu'on a encore le temps. Alors, c'est ici qu'habitait cette malheureuse qui avait pris trop de somnifères. Oui. J'ai un vœu à faire. Pardon? Aurais-je la permission de rester seul un petit instant? Je voudrais me rendre compte si cet appartement est réellement pour moi. C'est très compréhensible. Je vous attends dans mon bureau. Désolé de vous déranger. Je viens d'entendre dire que quelqu'un désirait habiter avec nous. C'est un vague projet. Je m'appelle Gödel. Ludwig Gödel. Cela fait déjà un an que je suis dans la maison. Et comment la trouvez-vous? Oh, excellente. Excellente. Je pense qu'il y a beaucoup d'amabilité envers les pensionnaires. Tout le monde dans cette maison se montre très gentil. Je crois que c'est une tradition de la maison. Vous désirez rester avec nous? Vous, vous voulez me parler? Vous voyez, si vous n'êtes pas encore... décidé à venir, bien entendu. Alors, si j'étais à votre place, je resterais où je suis. Au procès, je vous ai entendu. D'après ce que vous disiez, j'ai cru que vous étiez heureux ici.
Vous avez affirmé aussi que vous vous y plaisiez. Et aujourd'hui, vous me déconseillez d'y venir. Mais pourquoi? Je me demande ce qui vous a fait changer. Oh, mais rien, rien, rien du tout. Toutes mes excuses de vous ennuyer. Mais vous avez mal compris. Il me semble bien au contraire que j'ai très bien compris. Alors, je suppose que je vais me décider. J'en suis heureux. À une petite chose encore qui me tracasse. Ce qui est sensationnel dans cette maison, c'est penser qu'il y a déjà eu 3 morts. Des morts plutôt bizarres. Pour certains, vous êtes le meurtrier. Et pour moi, vous n'y êtes pour rien. Pourquoi vous le cachez? Alors, où en es-tu avec Monsieur Mahler? Il nous recontactera. Il n'est pas encore convaincu? Je n'en sais rien. Il m'a paru pas franc. Qu'est-ce qui se passe? Ce téléphone par Mademoiselle Corda. Pour moi? Bon, allez-y. Merci. Oui, Corda? C'est moi. Je sais bien que je te dérange. Je suis désolé. J'ai pu avoir 2 places pour l'opéra. Tu m'accompagnes? Depuis quand tu t'intéresses à l'opéra? Oui. Entendu, oui. Heure supplémentaire encore, hein? Il est 10 heures. Bon, alors on rentre. Bureau d'Eric. Oui? Où ça se trouve? Entendu, on va venir. Bona a été assassiné. Pardon? Sept mètres 10. Vous avez entendu les coups de feu? Oui. J'étais chez moi. J'étais montée dans ma chambre. Les coups ont éclaté. Je suis descendue tout de suite. Et la porte d'entrée était ouverte. Monsieur Bonas se tenait sur le seuil. Il pressait ses doigts contre sa poitrine. J'ai demandé... Que s'est-il passé? Seulement, il n'a rien dit. Il est resté muet. Il a essayé plusieurs fois de répondre. J'ai vu qu'il voulait parler seulement. Après, il est tombé. J'ai vu qu'il était mort.
Aucune des positions ne réussit à être très précise. Vous remontez dans vos chambres. Veuillez nous excuser, mais nous ne savons rien du tout. Ah oui, merci. Madame Dederich, venez. Madame Dederich, Monsieur Bonnat est sorti de prison après son acquittement. Cela fait donc une journée. Et le même soir, quelqu'un s'introduit ici pour le tuer. Alors je me demande plusieurs choses. Se serait-il passé dans la journée quelque affaire particulière? Prenez votre temps et réfléchissez. Ne serait-ce qu'un coup de fil assez important, une affaire paraissant anormale? Non, 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 rien d'anormal, je vous assure. Pas franc. Un moment. Monsieur Bonnat a trouvé quelque chose de pas franc. C'est un monsieur qui était venu nous voir au milieu de l'après-midi. Quelqu'un d'âgé qui était venu pour un appartement. Et qu'avait-il de pas franc? Je n'en sais rien. Monsieur Bonnat a prononcé ce mot, mais j'avoue ignorer de quoi il voulait parler. Comment se nomme ce monsieur? Ça, je le sais. J'ai pris soin de bien noter son nom et son adresse. Un certain Mahler. Et qui voulait habiter ici? Et comment cet homme avait-il appris l'existence de votre maison? À la suite du procès, je crois. Qu'il avait suivi toute la journée, disait-il. Ah. Il était au procès de votre patron. Vous en êtes bien certaine? Oui. C'est ce qu'il a dit. Policier? Ah oui, je vous reconnais. Vous avez pris part à la commission d'enquête et vous étiez au tribunal hier. Je vous en prie, entrez. Excusez-moi, mais le matin, il me faut du temps pour m'habiller. Suivez-moi. Je prendrai quelque chose. Voulez-vous un café? Et tout frais? Non, merci, nous avons déjà pris le petit déjeuner. Alors, je vous en prie, veuillez vous asseoir. Ah, non, excusez le désordre. Hier soir, je suis allé à l'opéra. Oh, mais voyons, asseyez-vous donc. Merci. Seulement, si vous permettez, vous ne vous trompez pas en venant me voir? Non. C'est Madame Dederich qui nous a communiqué votre adresse, Monsieur Mahler. Ah, oui. C'est la secrétaire que j'ai rencontrée le matin à la maison de retraite et qui a noté mon nom. Oui, mais je ne vois toujours pas la raison de cette visite. Monsieur Bonnat, que vous êtes allé voir à la maison de retraite, a hier après-midi reçu la visite d'un autre homme qui l'a assassiné. Oh, oui. C'est assez incroyable. J'ai passé mon temps à penser à toute cette affaire durant des semaines entières, sans arrêt. Est-ce un meurtrier, comme le croyait le procureur? Ou un innocent, comme le verdict le prétend? Cela m'a fait réfléchir. Vous étiez présent à chaque audience? Bien entendu. Je me suis arrangé afin d'être présent chaque jour. J'ai entendu toutes les dépositions. La vôtre aussi. Vous étiez très précis, sans émotion. Seulement, j'ai eu la sensation que vous étiez plutôt du côté du procureur général. Est-ce que je me trompe? J'ai donc commis une faute grave. En aucun cas, un témoin ne donne son opinion. Il faut qu'il donne seulement des informations pour la justice. Oh, d'accord, d'accord. Votre opinion allait dans quel sens? Mon opinion? Assez partagée. J'ai balancé souvent. Il m'a semblé que les pensionnaires ont tous été fascinants. Ils ont précisé toute la bonté qui régnait autour d'eux. Surtout comme ils étaient heureux.
À telle enseigne qu'hier, l'idée s'est incrustée de voir si cet Éden pourrait aussi vous plaire. Oui, et j'ai pensé alors aller voir de près ce qui paraissait presque le paradis. J'ai songé aussi à passer le reste de ma pauvre vie sans souci, sans aucun souci. Il n'en est plus question aujourd'hui, puisqu'il est mort. Et vous étiez hier soir à l'opéra? Oui, avec ma petite fille. Une très belle soirée. Votre petite fille? Oui, elle est elle-même musicienne. Je dirais une bonne musicienne. Résidence Bonnat, Dederich. Ici Derrick. Madame Dederich, voilà pourquoi je téléphone. Quand Monsieur Mahler est venu vous voir, qu'a-t-il dit? Il faut surtout bien y réfléchir. Vous a-t-il dit qu'il n'avait aucune famille? Oui. Oui, il a dit « je n'ai pas de famille ». Sa femme, je crois, est morte. Et il a ajouté que la joie d'avoir des enfants lui a été refusée. La joie d'avoir des enfants lui a été refusée. Merci, Madame Dederich. Il a donc menti de sang-froid. Je me demande pourquoi. Téléphone. Ici, Mahler. Ah, c'est vous, inspecteur. J'aurais une question, Monsieur Mahler. Une question qui vous concerne. Je viens d'apprendre qu'à l'hospice, vous avez dit que vous n'aviez aucune famille. Moi? J'ai pu leur dire ça? Ah oui. Et je me souviens. C'est vrai, j'ai pas cru bon d'en parler pour mieux mettre les gens à l'aise. J'ai cru inutile de parler de ma famille tout de suite. Oui, naturellement, j'ai des enfants, une fille et deux garçons. Les garçons ont tous deux quitté Munich, l'un travaille à Hanovre et l'autre à Hambourg. Oh, bien entendu, ils ont bien réussi tous les deux. L'adresse de ma fille? Oui, entendu. Oui, veuillez entrer, monsieur l'inspecteur. Merci, madame. Inge? Oui? Tu veux venir une minute? Oui, j'arrive. Par ici. Merci. Oui. Ma fille est sortie hier avec mon père, à l'opéra. Est-ce une chose si importante pour la police criminelle? Non, non. Ah, excusez-moi. Bonjour. Inge, bonjour. Monsieur Derrick est de la police criminelle et il voudrait te parler quelques instants. Il voudrait que tu précises qu'hier soir, tu étais allée à l'opéra avec ton grand-père, mon chéri. Oui? Pourquoi, monsieur? Cela n'a pas une grande importance, mais votre grand-père et votre père se trouvent être mêlés à une affaire policière dont on m'a chargé de m'occuper. J'avoue qu'il s'agit d'un meurtre, en l'occurrence. Un meurtre, vous dites? Oui. Vous avez peut-être entendu dire ou lu qu'hier soir, un monsieur Bonnat a été assassiné chez lui. Oui, oui, j'ai appris ça par les journaux. C'était le directeur d'un hospice? Mon grand-père en a parlé. Que vous a-t-il raconté? Que c'était un monsieur qui n'était pas très franc du collier. Ce Bonnat était passé devant le tribunal pour des meurtres assez tendancieux. Il avait appris sa mort et il disait « Oh, un meurtrier qui meurt à son tour. » Quand a-t-il dit cela? À midi, quand nous avons mangé tous les deux. Vous savez que tous les gens parlent de ce meurtre. Oui. Votre grand-père est allé hier dans cette maison de retraite. Pourquoi y est-il allé? Il voulait se renseigner sur les places qu'il y avait. Quoi? Sur les places qu'il y avait? Oui. Pour lui? Mais il a sa maison. Il est allé, il s'est renseigné, il a tout regardé. Ce Bonnat a trouvé également que l'attitude de votre père était... Oui, était plutôt bizarre. C'est la raison de ma présence. Ah. C'est à cause de sa marotte pour les procès. Il ne s'intéresse qu'au procès. Il ne pense qu'à ça et va au tribunal pour assister aux audiences. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maman a raison de dire que c'est une marotte. Il y passe son temps. Vous continuez à prendre toutes ces notes? Oui, j'essaie de me mettre le plus possible dans la peau des personnages, dans celle des jurés, dans celle aussi des gens de la défense et dans celle du procureur. C'est très passionnant. Les pires crapules sont présentées devant eux et je me demande comment on peut les libérer. Vous pensez qu'on prononcera l'acquittement de celui-là? C'est sûr. Le voilà.
pensez que ce sera encore un acquittement? Naturellement, ce sera l'acquittement. Nul n'a osé identifier ce garçon. La petite pourrait sans hésitation le faire, elle. Il n'y a pas de doute sur la culpabilité. Oui, mais pensez-vous au choc qu'elle a reçu? Elle ne pouvait prononcer aucun mot, la pauvre. Elle ne faisait que pleurer. Pleurer? Pleurer, dans notre monde, n'est pas un argument. Et beaucoup de gens sont gênés par les pleurs d'une gosse. Ne restons pas, venez. Elle n'ose pas sortir de la salle. C'est elle l'accusée. Le criminel est sorti. Fier de lui. Il n'y a qu'elle qui pleure. La malheureuse. Les gens qui jugent ces ordures n'ont pas la moindre conscience. Entendu. Bon, encore une affaire de viol, Stéphane. Le nommé Eichholz a violé une petite fille sur le chemin du retour. Il l'a sérieusement sonnée et il l'a laissée à moitié morte sur le carreau. C'est une affaire qui doit intéresser notre copain. Apparemment. Le procès se termine demain. Où en est le procès? La petite n'a pas réussi à l'identifier. Ah, elle n'a pas pu. Malgré une dizaine de bons hommes qu'on lui a montrés. Sans résultat. Pourquoi inculper Eichholz? Ils ont obtenu quelques indices, quelques témoins oculaires, sans aucune réelle précision, mais je pense que son avocat n'aura pas de mal à tout démanteler et à faire acquitter Eichholz. Entre le procès contre Bonnat il y a 3 mois et celui qui finit demain, on dirait qu'il y a une similitude troublante. L'accusé est le coupable tout indiqué. Mais pas de preuves assez sérieuses. Bonjour, monsieur Derrick. Monsieur Mahler, vous ici? Bonjour. Encore mon occupation favorite. Oui. J'assiste une fois de plus à l'audience. Comment se présente l'enfant? Oh, une horrible histoire, toujours le viol d'une fillette, mais d'une sauvagerie toute particulière, réellement le genre d'affaire sordide. Une amie à vous, je pense? Oui, voici... Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Oh, je suis madame Rosenheim. Ah, madame Rosenheim. Bonjour. Habituée des salles d'audience comme moi, nous avons pris l'habitude de suivre ensemble toutes les affaires intéressantes. Ah. Comment celle-là va-t-elle se finir? Il délibère encore. Ah oui, et qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, cette affaire est assez compliquée. La petite n'a osé reconnaître personne car elle n'est pas certaine que l'accusé soit l'homme qui l'ait martyrisé. Votre impression, c'était bien lui? Oh, pas de doute. Demandez à qui vous voudrez, vous verrez que tout le monde le pense. Regardez-moi ça. Regardez cet individu. Il y a des indices en pagaille. Seulement, les indices ne sont pas les preuves. Derrick? Eichholz a eu son acquittement. Encore absence de preuves. Merci, Harry. Allô, Inge? Tu as du temps ce soir, mon ange? On pourrait peut-être sortir. Non, c'est de l'opéra. Où tu voudras, toi. Tu peux faire ton choix. Ça te dirait si c'était moi qui te sortais? On va donner ce soir un beau concert, en privé, chez les Ramères. Dis-lui que s'il peut nous accompagner, ça me ferait plaisir. Tu as entendu? Il n'y aura que peu de gens. Serais-tu d'accord? Bonjour. Bonjour. Qui vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Rien de particulier. Ce nom m'a rappelé quelque chose. Il me semble vous connaître. Ou je l'ai lu quelque part dans le journal, c'est possible. Qu'est-ce que vous avez après moi? Qu'est-ce que c'est, Randolph? Un gars qui m'emmerde, c'est tout. Oh, excusez-moi, votre nom m'est familier. Eichholz. Je me demande où j'ai bien pu l'entendre. C'est moi qui fais erreur. Excusez-moi.
Ce malheur commence à m'énerver. Il passe son temps au tribunal, dans les salles d'audience. Et ça, ça me chiffonne. Ah, c'est pas une raison pour lui coller un meurtre sur le dos. Nous n'avons qu'à trouver un autre passe-temps, c'est idiot de courir les salles d'audience. Tranquille, tu radotes. Il n'y a pas que lui qui fait ça, toutes les salles sont pleines. Est-ce que tu as remarqué que ça a l'air de l'exciter? Pas du tout. Je le trouve plutôt gentil. Il me paraît heureux de vivre. Chacun pense ce qu'il veut. Je croyais qu'on était là pour se détendre, vider un godet peinard. Et voilà qu'on parle boulot. Le téléphone, s'il vous plaît. Oui, Sidéric, qu'est-ce qui se passe, Vidin? Quand? Et où? Oui, entendu. Eichholz a été abattu chez lui il y a quelques minutes. Il est déjà 11h. Aussitôt que j'ai entendu les coups de feu, j'ai foncé tout de suite jusqu'à la fenêtre de la cuisine. C'est celle-là. Et j'ai eu juste le temps d'apercevoir une voiture. J'ai pas eu le temps de lui demander quel était son numéro. Merci, monsieur Obermeier. Mais si vous avez encore un moment, vous attendez? Oui, d'accord. Bien. Il fêtait tout ça. Madame Eichholz, répondez à ma question. S'était-il passé quelque chose de bizarre au cours de la journée? Réfléchissez bien, le moindre détail est utile. Je vais utiliser une phrase intentionnellement. Est-il arrivé quelque chose de pas très franc? Essayez de vous rappeler. Rien. Rien du tout, je vous l'ai déjà dit. Je me souviens de rien. Absolument de rien. Quelqu'un a-t-il demandé à voir Eichholz? A-t-il téléphoné ou est-il venu jusque chez vous? Essayez donc de vous souvenir de quelqu'un d'assez âgé. Inspecteur. Encore moi. Encore vous. Mais restez pas là. Merci. Vous me surprenez en plein petit déjeuner. Prenez un café? Non, merci. De nouveau à l'opéra? Non, non, non. Ma petite fille donnait un concert. De musique de chambre. Eichholz a été assassiné hier soir. Oh. Devant sa porte. Trois coups de feu, monsieur Mahler. Comment se peut-il que... Eichholz... Il est peut-être une justice immanente. Dieu ne pardonne pas. Vous êtes allé le voir et vous lui avez parlé. Oui. Vous savez, ce genre de procès vous conduit forcément à des idées qui vous mettent l'esprit en ébullition. Je me demandais comment cet homme vivait, quel était son environnement et comment y évoluait-il. Je vous dirais une chose. Il était exactement comme devant ses juges. Bestial. Oui, alors il est mort. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la mort de Eichholz? Est-ce que vous vous êtes senti quelque peu soulagé en sachant que justice était faite? Non, je n'ai pas eu cette sensation. Je ne me sens pas comblé si on m'annonce qu'il y a eu un meurtre. J'ai toujours un sursaut. Sursaut de plus en plus intense en avançant dans mon métier. La justice immanente n'est pas de mon sort.
Ça ne vous touche en rien. Ça ne me touche en rien, non. Vous manquez du sens des réalités. Pour moi, il est triste qu'Eichholz ait été assassiné. Mais je ne ressens aucun regret. Attention, on n'en concluait absolument pas que je reste insensible à tout. Ça n'est pas le cas. Je conserve une image sous les yeux. C'est l'image de cet enfant martyrisé, vous l'avez constaté. Assise là, sans force et incapable de réagir. Il y avait cette brute qui s'est acharnée sur la malheureuse. Au point d'en faire une vraie locumène. Alors devrais-je verser des larmes de sang parce que l'homme est mort? Soyez sérieux, messieurs. Harry, je pense que le rapport est évident entre ces deux meurtres et Mahler. Par deux fois, quelqu'un attendait devant la porte. Par deux fois, on venait de prononcer l'acquittement en faveur d'un meurtrier pour absence de preuves. Par hasard? En aucun cas. Autre chose, c'est toujours le soir que le crime est commis. L'heure où Mahler trouve quantité de gens qui assureront qu'il passe son temps en concert. Ah bon, t'arrives quand même? Un peu en retard, comme toujours. Ah, on commence à avoir l'habitude. Oh, arrête une minute. Non, tu as une bonne excuse, j'espère. Mais oui. Rendez-vous avec trois de ses copains? Oui. Ils se sont installés, ils ont bu de la bière, ils ont bavardé. Ils avaient l'air de quoi, ces messieurs? Attends une minute. Est-ce qu'on aurait dit de vieux copains? Oui, ça en avait l'air. Quel âge? Un peu plus âgé que lui, mais bien conservé. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça ira. Merci, Willy. Il nous faut les noms de ces messieurs. Je veux savoir qui ils sont, ce qu'ils font et quelles sont leurs relations avec ce malheur. Bonsoir. 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 Tiens, voici Margot. 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 Voici Hills. Hills. Et Ingrid. Et Ingrid, et toutes de la maison. Oui. Oui. Et des cracks. Alors, nous allons jouer les putes de service? Eh oui, si on peut dire. Je vous explique. On se connaît bien et on joue souvent au bowling ensemble. Nous avons la piste tout près? Eh oui, je l'ai réservée. Ah, assieds-toi. Je vais te montrer ce que je sais faire. Salut. Oh, monsieur Derrick. Tiens, salut, monsieur Mahler. Dites, je pensais que votre hobby, c'était plutôt le tribunal. Non, je joue aussi de temps en temps. Bonsoir, messieurs. Monsieur Mahler. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, mesdames. Je vous présente des amis. Ce sont des gens de la police criminelle. Oh, je ne devrais pas dire ça. Oh, ça n'a pas d'importance. Vous jouez souvent? Comment est la piste? Nous, d'habitude, on va jouer en ville, mais les pistes sont mortes et il faut les refaire. Je constate que vous aussi prenez du bon temps. La vie privée reprend le dessus. Oui, de temps en temps, on se distrait, mais c'est rare. Ah, je vois qu'on est pareil. Vous savez, j'avoue qu'il m'arrive parfois de m'efforcer d'entrer dans la peau d'un policier. Un homme dont la tâche permanente est de combattre le crime et le mal. Vous ne doutez jamais de votre mission? Excellente question, cher monsieur. Ah, vous savez, toute notre existence, nous faisons notre travail et stoppons nos professions. Seulement la vôtre ne connaît jamais de fin. Vous devez quelquefois être déprimé. Oui, ça nous arrive parfois. Ce sont vos amis? Ou une équipe composée pour une partie? Ben, cela fait plusieurs années que je joue avec eux. Alors Hans, tu viens jouer ou non? Allez! Adorable, tous ces anciens. Plutôt sympathiques. Tu penses à quoi? Je vais te citer, monsieur Mahler. Votre travail n'a jamais de fin. Vous devez quelquefois être déprimé. Il a raison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. On va attendre le prochain acquittement pour absence de preuves, Harry.
Vous avez observé l'accusé? Oh, je n'ai fait que cela. Pas une seconde, je n'ai cessé d'observer ce monstre. Il n'a aucun sentiment. Insensible, absolument insensible. Abattre son ami uniquement par jalousie. Ce qui reste à prouver encore, chère madame. Oh, mais voyons, c'est sûr. Il n'a pas arrêté de lui taper dessus. Les témoins l'ont bien tous dit. Il est hors de doute qu'il va être... Mais rien n'est encore prouvé. Parce que personne n'a vu le meurtre. Et ce garçon a toujours tout nié. Oui, elle le trompait, d'accord. C'était une fille légère, c'est une chose acquise, une folle de son corps qu'il menaçait sans arrêt. Mais ce n'est pas une raison pour la tuer. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Rien n'a été prouvé. Alors... Il est au tribunal. Ah. Oui, il y était tous les jours. Il s'y rend de bonne heure pour être sûr d'être au premier rang. Voici la victime. Une femme un peu dingue qui jouait les putains. Oh, pas une professionnelle, seulement qui avait envie de le devenir. Non, enfin, presque. Tiens, regarde, encore une belle tranche d'assassin. Un nommé Shulao, qui aurait proféré des menaces de mort. Il y aurait des témoins qui ont assuré être au courant de tout. Je suppose qu'il nie tout en bloc. Oui. Il a un alibi? Il en a un sans en avoir. Il dit qu'il dormait chez lui. Seulement, il est le seul à le dire. Et sa réputation? Pas terrible. Un monsieur plusieurs fois condamné pour coups et blessures, enfin le genre impulsif. Un individu assez peu recommandable. Oui. Au tribunal, comment ça va se passer? Acquittement. Acquittement. Oui. Ce sont les gens de la police criminelle qui veulent vous parler. Policier, pourquoi la police veut me voir? Un bel acquittement? Les policiers, je les emmerde. Vous entendez? J'ai l'impression que vous en faites trop. Les dents, foutez-moi la paix. Oh, vous allez être assassiné. Peut-être ce soir, peut-être demain, ou alors dans deux jours. Pardon? Oui. Nous avons de bonnes raisons de supposer que quelqu'un en veut à votre peau et que votre acquittement ne peut pas vous protéger, en tout cas. C'est une rigolade. Plutôt une condamnation. Vous voulez me dire qui peut vouloir me descendre? Le tribunal m'a acquitté, qu'est-ce que j'ai à craindre? Il y a ce mec qui veut me supprimer. Dites-moi, dans tous les jardins qui vous entourent, il y a quelqu'un qui y habite? Hein? Ils sont là dans la journée. Je vis là et je roupille là. S'il y en avait d'autres, j'aurais eu des témoins. Allez-y, sortez. Vous allez lui demander ce qu'il veut. Allez-y, soyez sans crainte. Ce cher malheur m'y jette sans doute un beau coup fourré. Voilà, je suis maintenant en retraite et je cherche un petit boulot. Un truc quelconque où je me ferai un peu d'argent. Jardinier, par exemple, ça me plairait assez. Oui. J'en ai pas besoin. Vous me vendriez votre jardin? Mais non. Pourquoi est-ce que j'irais vous le vendre? Votre nom est Shulao, je crois. Oui. Vous connaissez mon nom? Oui, un petit peu. J'étais au tribunal. Et ce procès m'a passionné. J'ai été fasciné. Fasciné surtout par vous et par la personne que vous auriez, selon les rumeurs, assassinée. Vous allez vous deviner.
Mais je ne voulais en aucun cas vous offenser. On se débine. Excusez-moi. Ton grand-père t'attend depuis plus d'une heure. Oh, désolée. Excuse-moi, grand-père. Tu es tout excusé. Tu es radieux. Tu l'es aussi. Je suis très heureuse. De quoi, petite ? Que tu t'intéresses à ma musique. Je suis intéressée non seulement par ta musique, mais par autre chose. Veuillez mettre les mains en l'air. Voyons, pourquoi ? J'ai dit les mains en l'air. Voilà, chérie. Merci. Merveilleuse soirée. Laissez-moi, je vous en prie. Je te rejoins, rentre seul, tu veux. Et pourtant, c'était lui le meurtrier. Comme l'étaient les autres. Des bestioles malfaisantes. Ils ont assassiné des malheureuses. Ils n'avaient aucun respect de la vie humaine, de simples brutes. Ils ont eu ce qu'ils avaient mérité. Ne l'ont-ils pas mérité ? Pitié pour les meurtriers ? Il n'en est pas question. Nous avions décidé. Tout le monde était de cet avis. De ne plus admettre le meurtre dans ce monde. Allez vous asseoir. Disiez ne plus admettre le meurtre dans ce monde, mais nous vivons sans arrêt dans le meurtre. Nous vivons sans cesse dedans parce que le meurtre existe dans le monde.
Cela fait partie de notre vie quotidienne. Je sais aussi bien que vous que nous ne faisons pas partie d'un monde ou d'une société idéale. Alors, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs moyens d'agir sur notre société. Il n'y en a qu'un seul, Monsieur Malheur. Vous saisissez ? Je vous conseille d'y réfléchir afin que vous compreniez bien la loi et la justice. Nous y sommes soumis tous. Tous. Vous aussi, Monsieur Malheur. Autrement, nous arriverions à l'anarchie. Et je pense que l'anarchie, c'est le triomphe des meurtriers. Thank you.